Nous sommes tous accompagnés par un guide ou un ange gardien, de notre naissance jusqu'à notre mort. Ces êtres de lumière ne sont pas des génies qui sortent d'une bouteille pour exaucer nos moindres souhaits ou nous dire quoi faire. Ils nous guident dans notre vie pour nous aider à avancer sur notre chemin, dans l'amour et la compassion, sans jugement, sans obligation, libre à nous de les écouter ou non. Leurs messages sont emplis de sagesse et de bienveillance à notre égard. Ils communiquent avec nous régulièrement, mais souvent, nous sommes trop absorbés dans notre vie quotidienne. Les yeux rivés sur nos écrans, pour voir ou entendre leurs messages. Leurs messages peuvent être transmis sous forme d'inspiration, de synchronicité, ou ce qu'on peut appeler aussi chance, hasard ou coïncidence. Et quand nous sommes vraiment à l'écoute, nous pouvons reconnaître et recevoir ces messages en pleine conscience et au moment opportun. Dans cette méditation, je vais vous accompagner pour vous permettre d'aller à la rencontre de votre guide et d'échanger directement avec lui. Faites confiance aux messages que vous allez recevoir, que ce soit sous forme d'images, de mots que vous allez entendre, d'intuition, ou tout simplement le fait de savoir. Vous allez même peut-être remarquer que les réponses vont vous venir avant même que la question ne soit complètement formulée. Ne jugez pas ces messages, ne les analysez pas pour le moment. Vous aurez tout le temps d'y revenir après votre méditation. D'une certaine façon, votre guide communique avec vous par télépathie. Il est donc très facile de confondre ces messages spirituels pour des pensées qui passent dans votre esprit et de douter des messages que l'on reçoit. Encore une fois, faites-vous confiance et faites confiance à votre guide, votre ange gardien. Installez-vous confortablement dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé pour la durée de cette méditation. Allongez-vous, ou si vous avez peur de vous endormir, préférez une position assise. Décroisez les bras et les jambes, fermez les yeux et laissez-vous guider dans cette rencontre privilégiée. Pour commencer, inspirez doucement et profondément de votre abdomen jusqu'aux clavicules. Retenez quelques secondes et expirez calmement et profondément. Et laissez toutes les tensions de votre journée se relâcher complètement. Encore une fois, inspirez profondément et complètement. Retenez quelques secondes. Et expirez doucement et profondément. Et sentez le calme et la relaxation envahir tout votre corps, un peu plus à chaque expiration. Une dernière fois, inspirez. Retenez. Et expirez, relâchez et laissez-vous aller dans ce moment de calme et de détente. Sentez cette relaxation envahir tout votre corps, un peu plus à chaque expiration. Vous pouvez maintenant reprendre une respiration normale. Imaginez ou visualisez que l'air tout autour de vous est rempli d'une énergie scintillante, lumineuse et de couleur dorée. Une énergie de paix et de guérison. À chaque inspiration, vous inspirez cette énergie de paix et de guérison qui
qui remplit tout votre corps. Et à chaque expiration, vous relâchez toutes les tensions, toutes les énergies négatives et usées. Inspirez et laissez cette énergie remplir tout votre corps de lumière, de calme et de sérénité. Et expirez et laissez sortir toutes les énergies usées, les énergies négatives qui retournent dans l'univers pour être recyclées à nouveau en énergie positive. Vous allez maintenant porter votre attention plus en détail sur chacune des parties de votre corps, à commencer par votre tête. Alors que vous inspirez, toute votre tête se remplit de lumière. Et alors que vous expirez, tous les muscles de votre tête, de votre visage, se relâchent. Se détendent profondément. Inspirez calmement et imaginez ou visualisez maintenant cette lumière remplir tout votre cou, votre nuque, votre gorge. Expirez et relâchez un peu plus toutes les tensions et tout le stress de votre vie quotidienne. Inspirez doucement et laissez cette lumière remplir maintenant tout votre torse. Puis expirez lentement. Et laissez l'énergie se diffuser dans toutes vos cellules, dans tous vos muscles, qui se détendent, qui se relaxent. Inspirez, et cette énergie lumineuse vient maintenant se diffuser et couler dans vos bras, dans vos mains, jusqu'au bout de vos doigts. Expirez, et ressentez vos bras, vos mains, vos doigts se détendre comme une bouée qui se dégonfle lentement, doucement. Inspirez à nouveau et l'énergie vient remplir tout votre abdomen. Expirez et laissez l'énergie se diffuser lentement dans votre abdomen et relâchez toutes les tensions en vous relaxant toujours plus profondément. Inspirez et imaginez ou visualisez la lumière qui vient maintenant remplir votre bassin. Et alors que vous expirez, vous vous détendez un peu plus, relaxez. Relâchez et ressentez cette sensation de bien-être qui vient remplir tout votre corps. Inspirez et laissez cette énergie lumineuse se diffuser maintenant lentement dans vos cuisses. Et tout en expirant, vos cuisses se relaxent. Se détendre complètement. Pendant que vous continuez à respirer lentement, doucement, la lumière se diffuse maintenant doucement dans vos mollets et relaxe vos mollets qui se détendent profondément. Toujours en inspirant, amenez enfin la lumière dans vos pieds,
jusqu'au bout de vos orteils. Puis expirez et laissez la relaxation et la détente vous envahir, tout en vous débarrassant des tensions, des énergies usées et négatives, complètement, au plus profond de vous. Parfait. Votre corps tout entier est rempli de lumière. Votre corps tout entier est complètement relaxé, profondément détendu. Laissez-vous aller et profitez de ce sentiment de calme, de bien-être et de relaxation profonde. Peut-être que vous pouvez avoir l'impression de flotter légèrement, ou peut-être que vous pouvez sentir vous enfoncer profondément dans votre fauteuil ou dans le matelas. Ou peut-être encore que vous ne ressentez même plus votre corps tellement il est détendu. Imaginez ou visualisez cette énergie lumineuse qui remplit votre corps un peu plus à chaque inspiration et qui commence à se diffuser et rayonner à l'extérieur, tout autour de votre corps, un peu plus à chaque expiration. Cette énergie lumineuse qui s'étend maintenant dans tout votre corps rayonne tout autour de vous et vous enveloppe complètement. Maintenant, imaginez ou visualisez que vous êtes en haut d'un escalier, un escalier d'une dizaine de marches. Parfaitement blanc, complètement blanc. Remarquez que les dernières marches de cet escalier disparaissent dans une épaisse brume blanche et lumineuse. Dans un instant, je vais compter de 1 jusqu'à 10. À chaque numéro, vous allez pouvoir descendre une marche. Et au compte de 10, vous serez arrivé en bas de l'escalier. Avec le 1, maintenant, vous descendez la première marche. 2, profondément détendu. 3, profondément relaxé. 4, et profondément réceptif. 5, de plus en plus profondément. 6. Vous percevez tout très clairement autour de vous. 7. Vous commencez à voir la brume qui recouvre vos pieds. 8. La brume vous enveloppe de plus en plus. 9. Vous descendez toujours plus profondément. Et 10. Vous êtes en bas de l'escalier. Vous êtes entouré d'une brume épaisse et lumineuse, légèrement fraîche, qui vous enveloppe complètement. Tout est blanc et lumineux autour de vous. Et vous êtes en sécurité, calme et détendu. Commencez à avancer doucement, lentement à travers cette brume lumineuse. Alors que vous continuez à avancer, la brume commence à se dissiper.
plus vous avancez, plus cette brume se dissipe. Elle a maintenant complètement disparu et vous vous retrouvez dans un espace vide, illimité. Un espace sans début et sans fin, sans mur et sans plafond. Tout est blanc, simplement blanc, calme et paisible. Continuez à avancer en regardant le sol devant vous, jusqu'à ce que vous voyez un objet posé à terre. Peut-être qu'il est en métal. Peut-être qu'il est fixé directement dans le sol. Peut-être qu'il est tout simplement dessiné et à peine visible. Ou peut-être encore que c'est un objet qui vous est familier et que vous reconnaissez. Une fois que vous l'aurez trouvé, arrêtez-vous devant cet objet. Parfait. Faites simplement l'observer, le regarder. Que voyez-vous? Faites-vous confiance. Faites confiance aux informations que vous recevez. De quelle couleur est-il? Que représente-t-il? Que ressentez-vous en voyant cet objet? Maintenant, baissez-vous pour le toucher. Et alors que vos doigts entrent en contact avec l'objet, un flash lumineux intense vous éblouit et vous transporte dans un autre endroit. Regardez maintenant autour de vous. Et vous pouvez voir que le sol est différent. Il est tapissé de verdure, d'une herbe verte, luxuriante, fraîche et douce. Relevez-vous. Regardez autour de vous. Vous êtes maintenant à un autre endroit, à un autre lieu. Tout aussi calme et paisible, mais complètement différent. Continuez à regarder autour de vous et vous pouvez peut-être commencer à voir apparaître des arbres, des plantes, des fleurs. Peut-être même que vous pouvez entendre ou apercevoir quelques oiseaux passer. Plus vous observez ce jardin et plus vous pouvez le voir se dessiner, se matérialiser devant vos yeux. Plus vous l'observez, et plus de détails apparaissent. Regardez autour de vous, observez ce jardin. Regardez les plantes, les arbres, l'herbe épaisse qui tapisse le sol d'un vert intense. Les fleurs aux couleurs éclatantes et infinies. Ressentez cette sensation de calme, de bien-être et de plénitude qui remplit ce jardin et vous remplit complètement. Continuez à explorer cet endroit et sa végétation magnifique. Une végétation que vous n'aviez encore jamais vue. Regardez autour de vous et vous allez apercevoir une fontaine.
Peut-être qu'elle se trouve devant vous, derrière vous, ou peut-être qu'elle est cachée derrière un arbre. Prenez un moment pour localiser cette fontaine. Parfait. Avancez tranquillement dans sa direction. C'est ça. Continuez à avancer. Approchez-vous de cette fontaine et laissez-vous imprégner par ce calme et ce sentiment de paix et de bien-être alors que vous êtes là, près de cette fontaine, à observer le jardin qui vous entoure. Maintenant, regardez au loin autour de vous, tout au fond du jardin. Et vous allez apercevoir une forme floue et diffuse, bouger lentement et qui semble avancer doucement dans votre direction. Peut-être qu'elle est devant vous ou derrière vous. Prenez un moment pour regarder tout autour de vous et rechercher cette forme floue, au loin, au fond du jardin, qui s'avance dans votre direction. Peut-être qu'elle a l'apparence d'une flamme, d'un élément gazeux, ou peut-être que vous pourriez plus la décrire comme un nuage ou une forme lumineuse. Observez cette forme floue au loin qui s'avance dans votre direction. Plus cette énergie s'avance vers vous, et plus sa forme devient perceptible pour vous. Elle avance toujours et vous commencez à deviner sa forme. Au fond de vous, vous savez que c'est votre guide, votre ange gardien, qui vient à votre rencontre. Il s'avance toujours dans votre direction et devient plus net, plus reconnaissable. Au fur et à mesure qu'il avance, il est presque arrivé. Votre guide, votre ange gardien est maintenant là, devant vous. Faites confiance aux informations que vous recevez. Faites-vous confiance. Plus vous allez accepter ces informations, et plus les signes, les images et les sensations vont vous venir facilement. Quelle apparence a pris votre guide pour se présenter à vous? Pour quelle raison votre guide a pris cette apparence particulière pour se présenter à vous? Qu'est-ce que cela représente? Prenez un moment pour ressentir l'énergie qu'il ou qu'elle dégage.
Comment décririez-vous cette énergie? Que ressentez-vous? Prenez un moment pour vraiment ressentir son énergie connectée avec vous. Demandez-lui maintenant de vous montrer un objet ou un symbole qui le représente. À quoi ressemble cet objet ou ce symbole? A-t-il des couleurs particulières? A-t-il une forme particulière? Est-ce un objet familier pour vous ou pas? Qu'est-ce que vous ressentez en voyant ce symbole? Pour quelle raison votre guide a choisi ce symbole en particulier pour se représenter? Est-ce qu'il y a un nom en particulier qu'il aimerait que vous utilisiez pour vous adresser à lui? Quel est-il? Vous allez peut-être l'entendre, le voir ou tout simplement savoir. Faites confiance aux informations qui vous viennent. Pour quelle raison a-t-il choisi ce nom? Que représente-t-il? Vous pouvez maintenant lui demander la signification et le message rattaché au symbole, à l'objet que vous avez trouvé plus tôt pour entrer dans le jardin. Souvenez-vous de ce symbole, de cet objet. Que représentait-il? Quelle est sa signification? Quel est son message pour vous?
Pourquoi était-il important pour vous aujourd'hui de voir ce symbole plutôt qu'un autre? Avez-vous une question à poser à votre guide aujourd'hui? Vous pouvez maintenant lui poser votre question, à voix haute, ou dans votre tête, en pensée, et vous allez peut-être remarquer que vous recevez déjà la réponse avant même de terminer à poser votre question. Avec beaucoup de respect, demandez maintenant à votre guide de vous donner trois mots. Trois mots qui représentent un conseil pour vous aider aujourd'hui, sur votre chemin en tant qu'âme. Un conseil sous forme de trois mots distincts, ou trois mots qui forment une phrase. Quels sont ces mots? Prenez un moment pour connecter avec ces trois mots. Qu'est-ce qu'il est important de comprendre pour vous avec ces trois mots? Quel est le message de votre guide pour vous à travers ces trois mots? Connectez maintenant une dernière fois pour cette rencontre avec votre guide, avec son énergie. Ressentez tout l'amour qu'il a pour vous. Prenez un moment pour lui témoigner votre gratitude et le remercier sincèrement et du fond du cœur pour cette rencontre et pour tous les messages qu'il vous a donnés. Votre guide est maintenant parti. Vous vous retrouvez dans ce jardin, au bord de la fontaine. Entouré de cette végétation luxuriante qui commence à s'effacer doucement, lentement, de la même façon qu'il vous est apparu. Le jardin, la végétation, ont maintenant complètement disparu. Vous vous retrouvez dans cet espace blanc, vide et sans limite. Et dans un instant, je vais décompter de 10 jusqu'à 1. Et au compte de 1, vous allez complètement immerger dans l'état dans lequel vous vous trouvez. Vous allez pouvoir ouvrir les yeux, parfaitement reposé et détendu. Et quand vos yeux s'ouvriront, vous allez vous sentir en pleine forme, centré et équilibré, prêt à continuer votre journée. Et vous allez vous rappeler très clairement de votre expérience.
votre guide étant toujours à vos côtés quand vous en avez besoin. N'hésitez pas à lui demander conseil, lui témoigner votre gratitude et votre reconnaissance aussi souvent que vous le souhaitez. Et vous pouvez même exprimer l'intention de rester réceptif à ces messages durant toute la journée et pendant votre sommeil, de façon à pouvoir plus facilement reconnaître les messages qu'il vous transmet. 10. Vous commencez doucement à revenir ici et maintenant. Ressentez le contact de votre corps sur le matelas ou le fauteuil. 9. Parfaitement reposé et régénéré. 8. En pleine forme. 7. Vous commencez à reprendre conscience de votre environnement. 6. Vous vous souviendrez de tout très clairement. 5. Inspirez profondément pour réveiller votre corps. 4. Commencez à bouger les doigts et les orteils. 3. Bougez les mains et les pieds. 2. Étirez-vous. Et 1. Quand vous êtes prêt et prête, ouvrez tranquillement les yeux.